Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour ce dernier vlog d'octobre. Bon, physiquement, je suis habillée un peu comme si j'allais me coucher, mais c'est parce que je sors du bain et donc j'ai un peu froid. On va ouvrir le calendrier de l'Avent. Ça fait depuis hier soir que j'ai très 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 envie de l'ouvrir. En tout cas, je voulais vous souhaiter quand même, avant toute chose, un excellent Halloween. Moi, je vais pas tarder là à commencer à distribuer mes petits bonbons, etc. Alors, j'ai un peu du mal à l'ouvrir. Je veux pas en fait casser tout. Alors, on va voir ce que le pochon contient. Sans grande surprise, hein, bien évidemment, c'est un écheveau. Oh là là! Ça reprend un peu toutes les couleurs qu'on a vues au fil du mois. C'est très 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 travaillé, il y a plein 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 de couleurs. Je suis très étonnée. Enfin, bien sûr, je m'attendais à un écheveau, mais j'avais jamais vu autant de couleurs sur un seul écheveau. Je sais même pas si ça va faire bien ou pas sur des chaussettes. À tester, peut-être sur des chaussettes plutôt simples du coup, parce que c'est tellement bariolé. Waouh! Et du coup, après, on a des petits trucs à l'intérieur. Donc, le nom du coloris, c'est Must Be the Season of the Witch. Donc, ça va avec la couleur d'hier. Et donc, la base, c'est Carol. Donc, le fingering, 75% mérino, 25% nylon. Et du coup, c'est 468 yards pour 100 grammes. Et avec, on a une magnifique petite broche, magnifique. Donc ça c'est super. Je pense qu'il faut que je m'habitue à cet écheveau parce que waouh quoi, il y a tellement de choses qui se passent en un seul écheveau que il faut s'y habituer. En tout cas aujourd'hui j'ai mis mes chaussettes réalisées avec l'écheveau d'Halloween, donc de la box Vava Tricot. Voilà, comme ça. Et on va partir sur une journée travail et tricot. Donc, je vous emmène avec moi. Je suis super contente. Là, je suis vraiment pas. Je suis un peu toute échevelée. Mais après, on va se déguiser pour Halloween, etc. Donc, ça va être super cool. C'est une magnifique journée d'automne. Cupidon a décidé de s'habiller en citrouille. Et je bosse sur ma deuxième chaussette qui n'avance pas trop puisque je fais des trucs en même temps. Hier, j'ai fini mon petit personnage du cal de Rico Romi en crochet. Il faut juste que je l'assemble. En fait, j'avais pas trop envie de le crocheter dessus aujourd'hui comme on est Halloween. Donc, j'ai mis le coup de collier pour le finir. Donc, je vais pouvoir juste l'assembler aujourd'hui et puis vous le montrer. Donc, voilà où on en est de notre petit personnage. On a les jambes, les bras, les oreilles, la queue, les trois feuilles, les trois baies mélangées avec la collerette, la tête, le corps et les deux parties de l'étoile. Donc maintenant, c'est parti pour l'assemblage. Et voilà pour le deuxième petit personnage du cal Rico Romi. Alors, la première icône est toujours en train de sécher, mais on va commencer la suivante, donc la balance. Alors, donc, j'ai fait le motif de la balance. Je vais attendre de faire le scorpion demain pour le mettre à bloquer et le voir dans toute sa splendeur. Et après, je serai à jour sur ce cal-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis à jour de mon cal Rico Romi. Voilà, les deux personnages ne sont pas du tout à la même échelle. Il faudra que je les mette bien loin l'un de l'autre sur le sapin. Pour celui-là, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Et celui-là, un crochet de 2 mm, il faut absolument que je me procure un 2,5. Mais en tout cas, du coup, je suis à jour pour ce cal-là. Donc ça, c'est plutôt cool aussi.
Donc j'ai décidé de garder mon costume comme on est Halloween pour répondre à cette dernière section de commentaires. Donc je suis en train de crocheter ma couverture de température. La moyenne du jour c'est 11,5. Demain il y a un avis de tempête dans ma région. Je suis surexcitée parce que je trouve que ça va être la parfaite journée pour regarder le magicien d'Oz et vraiment se coucouner et tout. Donc à la base, il y avait un brunch d'Halloween qui était organisé, mais du coup, à cause de l'avis de tempête, je pense que c'est annulé. Il va falloir que je vérifie ça. De toute façon, c'est au même endroit où on va ce soir pour Halloween, donc on va pouvoir checker ça. Et donc du coup, ouais, tricot, ressourçage un peu au milieu de semaine avec ce jour férié, ça va faire du bien. Mais en attendant, donc je vais répondre à vos gentils commentaires. Alors, Tricotine by Sandrine, coucou, super week-end, trop de chance. Il y a quelques jours, je t'ai laissé un commentaire sur les aiguilles roses, tu n'as pas dû voir car tu ne m'as pas répondu. Si, Sandrine, ma douce Sandrine, je t'ai répondu, le vlog d'après, je pense. Je pense qu'il me semble que c'était l'épisode 24. Où je t'ai répondu, mais du coup, en tout cas, merci beaucoup de m'en avoir parlé, ma belle, c'est vraiment très gentil, et je te fais des gros bisous. Chloé Bachet, tu as bien travaillé, merci. Magnifique réalisation, en fait, Chloé, tu es en train de te faire toutes mes vidéos anciennes, donc ça me fait très plaisir. Sur la vidéo où je vous dis ce que j'ai appris comme nouvelle technique autour du fil, etc. Tu dis impressionnant, contente de voir que toi aussi tu t'intéresses à énormément de choses, mais tu restes fidèle au tricot. Ça me laisse un espoir de ne pas t'en laisser tomber cette fois-ci. Mais non, t'as toute la communauté derrière toi, ne laisse pas tomber. Ensuite, donc, sacrés objectifs, j'attends le retour avec impatience sur mes objectifs de 2022. Donc, tu vas pouvoir les voir. Waouh, le magnifique kit, j'ai fait un tour sur le site. Car moi, je crochète un peu débutante, mais j'ai envie de commencer le tricot. J'aurais bien aimé le même genre de kit. Mais je crois qu'ils ne le font plus. Ah bon, le kit, regarde sur We Are Knitters, le super knitting kit. Ou le beginner's kit de We Are Knitters, il doit y avoir quand même quelques petits trucs. Hâte de voir ton avancée, merci beaucoup. Ensuite, sur la vidéo où je vous parle de la première fois où je donne un cours de tricot, tu dis, ça devait être génial, c'est chouette que ton village fasse de tels ateliers. J'ai cherché chez moi pour essayer de rencontrer des tricoteurs, mais il n'y a rien. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais sur l'agenda du tricot de You Need to Learn, quand même, il y a pas mal de trucs. Parfois, il faut un peu se déplacer. Par exemple, moi, mon club local de tricot, en général, ils se réunissent à peu près à 30 minutes en voiture de chez moi. Mais ça vaut le coup d'y aller quand même. Alors, Isa Chouette, elle est canon l'icône vierge. Bravo, merci beaucoup. J'ai pas mal tricoté hier car je suis complètement décalée avec ce changement d'heure. Levé à l'aube et couché comme les poules. Belle journée d'Halloween à tout le monde. Et bien j'espère que la tienne aussi sera fantastique et très effrayante. Je te fais des gros bisous, Isa. Alors, Chloé Bachet, merci pour cette vidéo. Magnifique ta figurine. J'ai commencé les premières vidéos de ta chaîne et j'ai commenté, mais tu n'es pas obligée de répondre à toi. Bah si, quand même, vous prenez le temps de commenter, je prends le temps de répondre bien sûr. Très bon Halloween, pour ma part c'est mon jour de reprise du travail et la seule chose qui me réjouit c'est que nous sommes en congé demain et que je vais pouvoir crocheter. Des bisous, à demain pour le dernier vlog, j'espère que tu vas bien crocheter, que la reprise de son travail s'est plutôt bien passée et en tout cas je te remercie d'avoir du coup regardé et commenté toutes mes premières vidéos, ça me fait très très plaisir. Elodie Rié. Le sirop de violette, c'est la vie. La couleur du paquet du jour est magnifique. Petite gratouille à Cupidon de ma part et de la part de Rebecca, ma fille de 11 ans, qui ne rate aucun épisode. Rebecca te fait un bisou en souvenir du pique-nique tricot de Montmorency.
Et bien moi aussi, je lui fais un gros bisou. C'était ma partenaire lors du pique-nique tricot pour la journée internationale ou nationale, je ne sais pas, du tricot en public. Et j'espère qu'elle tricote un petit peu. En tout cas, ta fille est adorable et très bien élevée. Tu peux en être très fière. Je te fais des gros bisous, Elodie. Chloé Bachet, des petits cœurs pour toi. Ensuite, tu me dis, oh mon Dieu, j'ai eu envie de me remettre au tricot pour faire des housses de coussin comme ça en rouge pour ma déco Noël. Trop bonne idée que je vais peut-être voler. Est-ce que tu pourrais me donner le lien pour acheter ce patron s'il existe encore? Donc, c'est les housses de coussin de Karanit ENG. Et le modèle s'appelle Take a Chill Pill, entre parenthèses, OW. Parce que c'est un jeu de mots entre Take a Chill Pill, en mode détends-toi, et Pillow, voilà. Donc, c'est Karanit ENG, elle fait des super patrons pour de la grosse laine, je te la recommande. Pardon. Mais magnifique ta petite famille, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, Emma Deno, dernière lecture de commentaires. Ce mois est passé super vite en ta compagnie, c'était vraiment mon rendez-vous à ne pas manquer chaque jour d'octobre, ça me fait trop plaisir. Moi aussi, j'ai trouvé que le mois est passé tellement vite. Il y avait tellement plus de choses que j'avais envie de faire, de tricoter et tout. Mais c'est pas grave, j'ai aucun regret parce que du coup, je me dis que ça me fera encore plus de trucs à vous montrer à l'avenir. Hâte de voir ce dernier vlog et tes prochaines vidéos. Ben, j'ai hâte de vous y retrouver. Gros bisous à Chloé, ta maman, Cupidon et toi. Ben, je t'embrasse très fort, Emma. Chloé Vacher, des petits cœurs. Carla Pierre, plein de cœurs pour toi. Merci beaucoup, Carla, de ta fidélité tout au long des vlogs. Tu dis quel plaisir, toute cette douceur. À très bientôt. Ben, à très bientôt. J'espère te retrouver rapidement dans mes autres vidéos. Sandrine Gonzalez, bientôt fini. On a eu beaucoup de plaisir à te suivre. Merci. Alors moi, j'ai eu énormément de plaisir à vous lire, à apprendre à vous connaître. C'est vrai qu'auparavant, sur ma chaîne, je répondais à tous les commentaires par écrit. Mais je trouve que là, le fait de le faire à l'oral et de vous parler, de pouvoir vous montrer les trucs en direct quand vous me parlez de quelque chose, etc. Même vous, ça vous donne plus envie de m'écrire et de me poser les questions en direct, etc. Donc, ça a vraiment facilité les chances sur ma chaîne. Donc, je suis très contente. Je vais essayer de réfléchir à des moyens de faire perdurer l'échange, même si je ne pourrais pas faire des vlogs, etc. Mais en tout cas, je suis très, très contente que tu aies pu me suivre tout au long du mois, Sandrine. Patricia Rignol, un petit cœur pour toi. Ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer pendant ce mois d'octobre. Kouloud Gara. Coucou Eleonore. J'ai vu que mon message t'a attristé, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. J'avais juste une intervention censée se passer en ambulatoire, mais j'ai fait une hémorragie. J'ai dû rester pour me faire transfuser, mais aujourd'hui, tout va bien. Oui, alors moi, quand évidemment, j'ai l'impression de vous connaître et que vous êtes toutes mes tricopines, donc quand vous me dites que vous avez un problème de santé ou que vous n'avez pas le moral ou qu'il y a quelque chose de négatif qui vous arrive, forcément, ça m'attriste, hein, mais je suis contente que tu as l'air de relativiser et que tu me dis que tout va bien. Je dois te croire sur parole. En tout cas, prends bien soin de toi. J'ai une petite boutique de laine dans ma ville qui n'ouvre que le samedi après-midi. J'y suis allée en coup de vent avec ma fille de 7 ans. Elle a choisi évidemment une pelote rose et m'a fait acheter en plus un fil à paillettes pour mélanger dedans. Ai-je les mêmes goûts qu'une petite fille de 7 ans? Oui. elle me demande de me dépêcher car elle n'a plus de chaussettes faites main. Je dois me préparer à ce que sa petite sœur de 3 ans en veuille aussi. Donc, j'ai dû abandonner mon Ingrid sweater commencé il y a plus d'un an. J'adore, je trouve ça trop mignon. Moi, j'espère que dans le futur lointain, mais dans le futur, j'aurai des filles aussi pour pouvoir leur faire des trucs roses à paillettes et tout. C'est trop génial. Et trop cool aussi que tu fasses le Ingrid sweater. Il est définitivement sur ma wishlist de un jour, je tricoterai ça. Difficile de tricoter avec mon rythme de vie, mais ça m'a fait plaisir de suivre les podcasts pour vivre les projets par procuration.
c'est aussi ce que je fais. Hein. Je ne suis pas du tout la tricoteuse ni la crocheteuse la plus rapide et j'adore voir ce que tout le monde fait. Je suis tout le temps ébahie de la rapidité des autres, mais je ne me compare pas du tout. Juste, j'adore voir tricoter par procuration et tout, c'est trop cool. En tout cas, j'espère que ta journée d'Halloween s'est bien passée. Et je te dis à bientôt. Et ben moi aussi, j'espère que ta journée d'Halloween s'est bien passée. Je suis très curieuse de savoir comment tes choupettes se sont déguisées. En tout cas, je t'envoie des gros bisous et surtout bon rétablissement pour ton hémorragie. Sylvie Lebas, gros bisous à toi Sylvie. Merci de m'avoir suivie. Mina, des cœurs de toutes les couleurs. Je ne peux pas faire les couleurs avec mes mains, mais le cœur y est. Merci, c'est trop bien ce calastro, j'ai trop envie de m'y mettre, mais viens, franchement c'est pas compliqué, faut juste savoir faire de l'intarsia. Et il y a une vidéo très explicative de 45 minutes sur le projet de la Vierge, tout gratuit, bon par contre c'est en anglais, mais voilà, si tu as des questions n'hésite pas à me les poser. C'est pas long à faire là pour rattraper les trois et après un petit carré par mois, c'est largement faisable, je pense. Donc, si tu as envie de le faire, bah, rejoins-nous. Sur le blog, il y a également tout un descriptif pour choisir ses couleurs en fonction de son propre signe astrologique. Moi, je ne l'ai pas fait car je suis taureau et vous irez regarder les couleurs de taureau. C'est genre ocre, terracotta, marron. Donc, c'est des couleurs qui sont très belles et que j'aime bien porter, mais que je ne veux pas du tout chez moi. Voilà, chez moi, ce n'est pas ces couleurs-là. Mais donc si tu hésites sur tes couleurs, il y a tout un guide sur comment choisir ces couleurs, etc. Et tout est gratuit, donc écoute, profites-en et rejoins-moi si tu as envie, ça me ferait très plaisir de le faire avec toi. Chloé Bachet, trop mimi ta mamie, ta maman lui ressemble beaucoup. Si j'ai une vidéo à chaque fois que je conseille quand les gens me connaissent pas ma chaîne, etc., c'est cette vidéo que tu as commentée là, ça s'appelle « Histoire de tricot-mamie ». Donc c'est la vidéo que quand vous cliquez sur ma chaîne, c'est cette vidéo-là qui s'affiche. J'aurais trop aimé vous présenter ma grand-mère pendant le vlog, mais malheureusement je n'y suis pas allée, j'y vais dimanche. Mais du coup, si cette vidéo vous tente, je vous encourage vivement à la regarder. Ma grand-mère est hyper marrante, elle nous a montré un projet de tricot qu'elle a fait il y a plus de 50 ans et tout. Donc c'est assez intéressant. Elle ne tricote plus maintenant, mais elle a encore plein de choses à dire, bien évidemment. Donc voilà, c'est ma vidéo préférée sur ma chaîne, c'est celle-là. Et j'ai le droit d'être fière de ma propre vidéo. Je n'ai pas honte d'être fière de cette vidéo-là. Je la trouve vraiment très, 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 très belle et j'aime bien la regarder de temps en temps. Maryse Marin, merci infiniment pour nous avoir accompagnés tout au long de ce mois d'octobre. Dommage que ce soit déjà fini. Eh bien oui, je suis bien d'accord avec toi Maryse. Je te fais d'énormes bisous. Merci toi de m'avoir accompagnée, d'avoir accompagné Cupidon, ma maman et toutes les personnes qui ont bien voulu être filmées. Donc je te fais d'énormes bisous. Et je vous remercie donc toutes de m'avoir si gentiment suivi, avec beaucoup de bienveillance, toujours des bons conseils. Dès que je vous demandais un peu votre avis, vous me le donniez d'une manière très constructive. Quand j'avais un peu des besoins d'encouragement, vous étiez toujours là sans même que j'aie besoin de demander à me dire des trucs super sympas et tout. Même entre vous, c'est ça qui m'a aussi fait chaud au cœur, c'est l'échange entre vous sans vraiment que ça passe par moi. Donc on a vraiment créé une petite communauté, ça me fait super plaisir. Si vous voulez, surtout si vous voulez partager vos projets dans Ravelry sur mon forum qui s'appelle Papotage, foncez, c'est pas réservé aux cales. Mais bien sûr, si vous voulez partager partager un peu le cal avec nous, il y a encore largement le temps de commencer à caston ses chaussettes et à nous rejoindre. Donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je suis quand même hyper reconnaissante de toutes les personnes de mon entourage qui ont accepté d'être filmées. Donc ma maman, Chloé Pidon, c'est mon fils, donc il est obligé de participer pour payer son loyer chez moi, mais Dimitrios, à qui j'ai appris à tricoter, enfin à monter les mailles ce mois-ci,
Et donc, c'était l'anniversaire hier. Diane, ma collègue, enfin, vraiment tout le monde a été super. Je leur ai pas vraiment demandé. J'ai dit, allez hop, j'allume la caméra, c'est parti. Merci à eux de s'être prêtés au jeu. Et puis, bien sûr, merci à vous, en fait, de regarder, même celles et ceux qui ne commentent pas, qui sont timides, qui mettent des likes ou même qui regardent, qui sont abonnés. J'espère que donc, passer ce mois avec moi vous a plu. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Là, on rentre au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois de préparatifs pour Noël, pour les tricoteuses, je pense, pour la plupart. Donc, je vous souhaite un excellent tricot. Ne faites pas que du tricot pour les autres. Pensez à vous également. Ne tricotez pas trop au point de faire un burn-out de tricot non plus. Et je vous embrasse très, très, très fort. Là, je vais mettre le film Monstres et compagnie pour le montrer au petit loulou, pour qu'il puisse un peu voir comment il doit agir parce qu'il est déguisé. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, bon, on voit pas très bien, mais en fait, il est déguisé en Mike Wazowski. Voilà. Et ce soir, on va faire une activité. En fait, ça va être assez sympa. Je vais vous emmener avec nous, bien évidemment. Mais en tout cas, je vous remercie encore une fois. Je voudrais vous remercier mille fois chacune et chacun de partager tous ces moments avec moi. Cupidon, c'est nous. C'est nous à la télé. Et ça, c'est toi quand tu me réveilles le matin, n'est-ce pas? Regarde, c'est exactement ce que tu fais, toi. Hein, loulou? Ça, c'est toi quand tu me réveilles. Petit filou. En vrai, il a l'air de bien aimer le film. T'aimes bien le film, mon amour? Ça lui plaît. Et alors, l'addition finale à notre costume, c'est vous. De l'abbaye de Royaumont, qu'en as-tu pensé? Que c'était une très belle visite faite dans la nuit, comme ça, avec
des petits aspects un peu Halloween qui me faisaient un petit peu peur et tout. C'était très très bien. Voilà. Oui, mais c'était quand même culturel, quoi. Oui, ça oui, parlait c'était une vraie visite. Ouais. Donc c'était et très puis, bien. Et puis l'orgue à la fin, c'était très beau. Voilà. Ah ouais, l'orgue, c'était ma partie préférée. Vraiment trop fort et très de circonstances. Et cet orgue si grand, si impressionnant. Cupidon, il s'est mis sur ma chaussette. Le petit filou. Et il a très sommeil. Oui, il a très sommeil. Bah, il est tard là quand même. Du coup, tu voulais dire quelque chose avant de ne plus apparaître dans ces vlogs. Je voulais dire au revoir à tout le monde. Et merci de tous vos gentils commentaires. Voilà, merci bien. Au revoir. Donc voilà, c'est la fin de ce vlogtobre. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tout le soutien que vous m'avez apporté pendant tout le mois. Sachez que je penserai très très fort à vous tous les jours quand je ferai ma couverture de température. Mon retour sur le calendrier de l'Avent, donc Weird Sisters Witchy Advent, j'ai trouvé que c'était super bien. Je suis désolée si je tremble, j'ai froid en fait. J'ai froid, on vient de rentrer, il est super tard donc je suis un peu fatiguée aussi. Donc oui, le calendrier de l'Avent Weird Sisters Witchy Advent, il était super bien. Je vais vous poser comme ça, je tremblerai moins. On est complètement de travers. Oh là là, pour la fin du vlog, c'est pas super. Maintenant, j'ai l'air d'une sorcière. Donc ouais, franchement, ce calendrier-là était super bien. Donc il vient d'une teinturerie artisanale américaine qui s'appelle Weird Sisters Emporium. Si l'année prochaine, je le reprends, ou que j'en prends un autre de calendrier de l'Avent d'Halloween, je vous informerai dans le podcast le plus proche de celui où je l'achète. Comme ça, vous pourrez vous le procurer, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient demandé, mais c'était déjà trop tard quand je vous l'ai présenté. Donc là, au moins, quand je le précommanderai, je vous le dirai. Comme ça, si vous voulez le prendre aussi, ou au moins regarder la page sur Internet, vous pourrez. Sinon, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme information? On va se retrouver très bientôt parce que il faut que je filme le podcast du mois d'octobre. Je vais quand même en faire un, même si vous avez vu sur quoi j'ai tout fait, parce que je veux faire un truc quand même assez structuré avec plus d'informations sur les patrons, les laines utilisées, etc. Que je pense que dans les vlogs, j'ai pas forcément très bien dit, parce que c'était un peu improvisé. Et en plus de ça, il y a peut-être des personnes qui préfèrent les podcasts aux vlogs et qui n'ont pas du tout suivi le vlogtobre et qui veulent quand même un podcast de ma part. Donc je vais faire un podcast donc très prochainement. Également au mois de novembre, vous pouvez vous attendre à une vidéo sur le retour de ma tutrice. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode de cette histoire là, je prends des cours très... Viens Cupidon si tu veux, viens. Viens. Viens dire au revoir. Il arrive en trombe. Donc je prends des cours très précis et très réglementés, etc. de tricot. Et du coup là, ma tutrice m'a envoyé une longue lettre pour m'expliquer donc tout ce qui va bien, tout ce qui est plus à améliorer, etc. Et j'ai aussi reçu les échantillons que j'avais envoyés. Et en fait, elle met des... Je ne les ai pas encore ouverts parce que j'attends la vidéo pour les ouvrir, mais elle met des petits marqueurs ou quelque chose aux endroits où il faut apporter de l'attention en référence avec sa lettre. Donc je pense que ça va être intéressant à regarder et du coup de faire l'étape suivante du cours. Il y a 3 leçons, donc je vais en être à l'étape, à la leçon 2. Donc voilà ce sur quoi vous pouvez vous attendre au mois de novembre. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire ma robe de Noël. Donc on va aussi passer un peu de temps là-dessus. Si j'arrive à faire une vidéo, je la ferai. J'ai déjà commencé pour l'échantillon. Mais voilà.
Après, je ne sais pas. Pour le mois de novembre, ce sera ça. Pour le mois de décembre, c'est un peu trop loin pour moi pour déjà vous faire des petits teasers de ce qui va se passer. Mais en tout cas, j'ai adoré passer ce mois avec vous. C'est définitivement une expérience que j'aimerais refaire plus tard. Et je vous remercie beaucoup, vraiment, vraiment d'avoir suivi toutes les vidéos. Comme ça me fait trop plaisir. Je vous montre le petit Cupidon. Il est vraiment fatigué. Il a envie de dormir là. Il se met, voilà, il s'installe. Voilà, c'est l'heure de dormir. Donc, je vais vous laisser. Encore une fois, merci. Je ne vous vois plus car il est en train de mettre toute une couverture. Tiens, j'en profite pour vous montrer le fameux coussin. J'en ai un qui est juste là. C'est vrai qu'en rouge, ça ferait trop beau pour Noël. Et je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite d'excellents tricots, broderies, crochets, tout ce sur quoi vous travaillez. Plein de réussite là-dedans. La bonne santé et plein de bonheur.